Has it for me? Yes. Surat Zaruyas has now assumed the legitimate self, and indeed, that went to ladies, the Duke, the Surat Nasir, Hakem, the Grammy, the Zafri Gilir, Zakbali Dix Medley. Le Kouni Darof, Issa Al-Khir de Boulis, يحمل الوياض يحمل الدين اليوم ني ياكل اين لا نزال ذيك المقال ما غاديش نزال نفكا زيت النار نفكا كرنس هاي اللام إذ معونا الوياض نزيدشو مما النار نزواي دقويا نخدم اسم الخير نسلسو بمنا الميت سرعة يدي بغى الوقت يدي بغى الخود يوكل ادم الهود يمنا ولاش بوعرفين يقيم لي ثمنا نحسو المشي ديالي ذوكني يكزو الحال يمين قد تصير ودي في الابدان يبقين الدم لكن تنصر ديز وسعر القابوية ما قد سعر فيه جديد هرتيس بالدم إمزوالنا خدمنا كمزوال لكن تسلم يلي يول يبغون غرا غاي يمكن في الطفل يمكن في الزم غفيا دول يقول لن وهو النقاس ويخدم في السن كنت في القرية كان لي زوم اي لي فام بوليتيك ne sont que des instruments de réalisation de l'histoire. L'histoire est toujours en action. Mais les femmes et les hommes qu'elles portent à la responsabilité pour la réaliser n'agissent et ne réagissent qu'en fonction de leur tempérament, de leur passé, de leur connaissance, de leurs compétences et des interactions avec l'environnement, des oppositions et les contraintes qu'ils ont. Nous n'avons pas à jeter la pierre à X ou Y parmi nos devanciers. Chacun, chacune, ont fait leur devoir. À nous de continuer et avec le recul qui est le nôtre, de transcender le moment, de tirer les leçons du passé et d'aller de l'avant. Et tout l'astromite m'a scolarisé. Hein? L'astromite a fait un lème. Et on est là, oui, on peut faire une machine à l'île, mais c'est une forme. Il y a là. La Kabylie est si généreuse qu'elle a toujours été au secours des uns, des autres et qu'elle a réalisé les objectifs de liberté des autres sans se soucier du sien et de sa propre liberté. Maintenant qu'elle a accompli ses devoirs à l'égard de son environnement, il est temps qu'elle s'occupe d'elle-même. Nous avons réalisé cela en 2001. Nous nous sommes battus pour toute l'Afrique du Nord à partir de 1926 avec les points noirs africains. Ensuite, le Maroc et la Tunisie avaient pris le large
sans demander notre avis, la Kabylie est restée attractée l'Algérie derrière elle pour son indépendance, bien que des forces qui aujourd'hui sont dominantes en Algérie étaient contre l'indépendance. Les ulama, qui sont les islamistes d'aujourd'hui, les ancêtres du JIA, du GSPC et du Daesh, de la CMI, étaient contre l'indépendance de l'Algérie et revendiquaient une citoyenneté française dans le respect des principes islamiques. Tandis que la Kabylie tentait toujours d'aller de l'avant vers l'indépendance. Cette indépendance, c'est la Kabylie qui l'a acquise. Qu'on le veuille ou non. Et j'applaudis les citoyens kabyles, les supporters de la JSK, qui ont brandi une banderole de 100 à 200 mètres en disant « C'est grâce à nous les kabyles que vous avez eu l'indépendance de la République. » Je le dis parce qu'aujourd'hui, les Kabyles apparaissent comme les ennemis de l'Algérie. Ils sont vécus comme une menace sur l'Algérie. Une menace sur deux terrains. L'un, s'ils venaient à prendre le pouvoir en Algérie, tout le monde le doute ce jour-là. Deux, une menace sur l'arabo-islamisme hégémonique, alors que les Kabyles sont des laïcs et des invasions. En 2001, quand le pouvoir algérien avait tiré sur nos enfants qui manifestaient pacifiquement, et on a abattu près d'une centaine, puis c'est monté jusqu'à 130 personnes, il y avait une indifférence générale en Algérie. Et cela contrastait tellement avec le soutien apporté à la Palestine en général que nous nous sommes posé la question. Sont-nous les frères des Algériens ou ce sont les Palestiniens qui sont leurs frères avant tout? Je salue les Palestiniens et je souhaiterais qu'ils aient de l'État et qu'ils aient de la liberté. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais il y a un sentiment d'appartenance des Algériens qui est plus proche des Palestiniens que des Kabyles en tout cas. Alors à partir d'ici, si nous, qui sommes généreux, prêts à bondir, à aider les Algériens à n'importe quelle occasion, nous ne sommes pas si respectés et si considérés que cela, que me reste-t-il à partager avec eux? Dès lors que, pendant le printemps noir, l'Algérie, le Parlement algérien, avait organisé une session spéciale pour parler de la Kabylie. Que s'était-il passé? Un, côté Kabylie, il y avait une friction du FFS. Le FFS avait jusque-là vocation à défendre la Kabylie et non pas à fuir devant sa responsabilité parce qu'on va l'accuser de la Kabylie. C'est la Kabylie qui l'a portée à l'Assemblée nationale et personne d'autre. Deux, côté algérien, il y a eu une minute de silence à la mémoire d'un jeune Palestinien. Nous venions de perdre plus de 80 jeunes. Personne n'a eu de la compassion à l'Assemblée nationale algérienne. Non seulement on n'a pas eu de compassion, mais on a fait notre procès. Si bien fait pour vous. Et quelqu'un, ou d'autres, ils étaient nombreux d'ailleurs, ont demandé la déchéance d'Ahmed de sa nationalité. Et Ahmed, qui était le chef historique de la révolution algérienne, de l'indépendance d'Algérie, des minables
excusez-moi l'expression, était là pour demander la déchéance de sa nationalité. C'est là pour moi le contraste. C'est à des moments pareils que nous réalisons que l'ensemble des efforts fournis pour laquelle, par la Kabylie, par le peuple kabyle, pour être algérien, était complètement vain. Un kabyle ne sera algérien que le jour où il cessera d'être kabyle. Et d'ailleurs, il faut qu'on fasse cette équation. Or, ce sont deux entités antinomiques. Celui qui veut être algérien doit tuer la Kabylie en lui. Celui qui veut être kabyle doit tuer l'Algérie en lui. Nous avions commencé à demander une autonomie. Permettez-moi de faire une digression. J'ai pèleriné à travers le monde et généralement, je me suis frotté, j'ai rencontré des hommes de responsabilité politique. On retient tous cette leçon. Il n'y a de grande nation que par la volonté de ses enfants. Et c'est ce à quoi nous tous nous attelons aujourd'hui. Nous avons pris conscience du fait qu'en tant qu'habit, en tant que peuple, nous devons aimer la Kabylie par-dessus tout, la respecter, la protéger, lui donner les moyens, tous les moyens dont nous disposons pour que la Kabylie soit indépendante. Tous les moyens, sauf l'un, que je ne préconise pas, c'est celui de la violence. Mais en tant que peuple civilisé, nous devons aimer la Kabylie, nous devons la construire. Nous devons être solidaires entre nous. Nous sommes kabyles, nous sommes un peuple d'intelligence. Si nous nous retrouvons à l'UQAM, aujourd'hui, hier j'étais à San Francisco, à Philadelphie, à New York, je vais quelque part en France, en Europe, à chaque fois, je rencontre des kabyles dispersés, disséminés à travers le monde. C'est vrai que même au temps où la France était arrivée et qu'elle avait brisé la résistance kabyle, la Kabylie était surpeuplée. Toutes les statistiques données et par les Français et par les Algériens sont fausses. On ne donne jamais les vraies statistiques sur le peuple kabyle. Du temps des Français déjà, on disait qu'il y avait 250 à 350 habitants au kilomètre carré. Depuis, du temps de la France déjà, on disait que la Kabylie était peuplée, le recensement de 1995 estimait les Kabyles à 2 millions de personnes. Aujourd'hui, je suis sûr que nous sommes plus de 12 millions. Si nous sommes donc à l'UQAM, c'est parce que la Kabylie n'a pas l'ossature étatique pour ouvrir à vous tous, à ses enfants, le cadre de réalisation, de construire leur bonheur sur place. Sinon, la Kabylie a le meilleur climat du monde. Nous avons le soleil, la pluie, la neige. Nous avons les plaines, nous avons la mer, nous avons de hautes montagnes. C'est un paradis sur terre. Il ne manque qu'un état pour que ce paradis soit ouvert au monde entier et qu'on peut l'offrir généreusement
au tourisme et à l'intelligence, à la sécurité. Maccabi dit, quand il émergera, demain, quand il sera un État émergent aux Nations Unies ou à ce qui sera le prolongement des Nations Unies d'aujourd'hui, parce que je pense que de toute façon, on ne peut pas continuer comme cela, la Kabylie sera le cœur battant de l'intelligence, de la création, de l'innovation technologique et de la recherche fondamentale. Si je parle de cela, c'est parce que le moment est historique. Nous avons décidé de mettre sur pied notre État, de nous lever devant le monde entier pour dire que nous sommes là et que nous existons contre vents et marées. Nous le ferons pacifiquement. Et nous donnerons même des voix à tous les peuples qui veulent s'émanciper de dictatures héritées de la colonisation, qui sont le prolongement même de la colonisation. Nous devons leur montrer la voie à suivre pour que le monde soit reconfiguré dans la paix, la liberté et sur la base d'une loi et non pas dans la violence comme jusqu'ici cela se faisait. Nous sommes des précurseurs de l'humanité. Nous sommes la conscience même de l'humanité. Et nous devons tous prendre conscience de la nécessité et du rôle historique que la Kabylie a à jouer, aussi bien pour le moment historique que pour l'avenir, quand elle sera un départ reconnu par tous. Bien sûr, nous avons un problème avec entre nous quelquefois, parce que l'amour de la liberté et le l'égalitarisme de la James d'autrefois est toujours, sont toujours vivants en nous. Mais nous vivons tous dans beaucoup de cas, ici en tout cas, vous vivez dans un pays étranger qui est devenu le vôtre pour beaucoup d'entre vous. Et je vous exhorte à aimer cette terre sur laquelle vous vivez, à aimer sa discipline, à aimer ses lois, tout en gardant une relation charnelle avec la Kabylie et à laquelle, demain, si la Kabylie est indépendante, vous allez retourner et entretenir de bonnes relations entre le Québec, le Canada et la Kabylie. Mais je vous invite tous à transcender les divergences. On peut avoir des opinions différentes. On ne doit pas s'autodéterminer. Nous n'avons pas à exacerber entre nous les dissensions ou les divisions. Il vaut mieux nous rassembler sur la base de valeurs, sur la base de règles. Mais vous le savez tous, et vous le constatez, rien que par les amendes, quand vous ne payez pas votre stationnement à temps, que la discipline, le respect de l'autorité est ce qu'il y a de fondamental à la base de toute construction d'une nation, d'un État. Notre amour pour la liberté ne doit pas diminuer. Mais cet amour, la liberté sans autorité n'a aucun sens. La liberté sans responsabilité n'a pas de base. La liberté sans discipline, c'est de la magie. Donc, la construction d'un État suppose que chaque citoyen de ce peuple qui construit son État s'imprègne de la nécessité, du devoir de respecter la hiérarchie, de respecter les règles, de respecter les objectifs.
appelle tout un chacun à ce qu'il participe à l'effort d'édification de la nation kabyle. Nous avons eu le chemin, le cheminement qui est notre depuis 2001. Nous avons commencé au printemps noir à faire une simple déclaration demandant un statut d'autonomie régionale. C'était le premier pas. Ça nous a permis de reconstituer, de rebâtir une conscience nationale kabyle et de nous donner une perspective loin de l'exposition de nos enfants au danger que des gendarmes qui prennent nos enfants pour des ennemis ne tirent pas dessus. Une fois cette étape terminée, nous avons mis, ou du moins suffisamment mûr, nous avons mis sur pied le gouvernement provisoire kabyle. Vous l'avez tous vu, hein. Tant qu'on parlait d'autonomie, hein, la plupart de nos contradicteurs, pour appuyer dessus, disaient « les GNH ». Dès que nous avons parlé du gouvernement provisoire kabyle, le débat est porté à un autre niveau, à un autre palier. On disait « est-ce qu'il est légitime ? Est-ce que vous êtes légitime pour avoir un gouvernement provisoire kabyle ? Qui vous a élu pour ça ?» Mais c'est une idée inspirée par le régime algérien. On leur retourne l'image et l'exemple. Le GPRA, le gouvernement provisoire de la révolution algérienne, est-il élu par quelqu'un ? Ou, à travers le monde, y a-t-il eu un gouvernement provisoire élu ? S'il y a élection, il ne peut pas être provisoire. Il peut être que définitif. Donc, plutôt que de chicaner sur qu'est-ce qu'on va manger, on est porté à un autre palier. Il y a des légitimités ou non. Entre-temps, tout est balayé sur le passage. Et dès lors que le gouvernement provisoire kabyle était mis sur pied, l'autonomie n'avait aucune raison d'être. Elle était déjà morte. Pourquoi ? Parce que là aussi, il n'y a jamais eu au monde, dans l'histoire de l'humanité et des peuples, un gouvernement provisoire pour une autonomie régionale. Donc quand on fait un gouvernement provisoire, c'est pour une indépendance, c'est pour un débat. Et tant qu'on n'a pas son indépendance, il n'y a pas débat. Un débat fédéral n'est pas un débat. C'est une sous-structure de l'État. Et donc, il faut absolument que nous poursuivions notre chemin. Nous sommes arrivés à la période où l'indépendance s'impose. Dans les années 70, j'étais prêt à mourir tellement. J'étais désespéré de l'État, de la répression et de l'arabisation de la Kabylie, que au lendemain du 20 avril du printemps berbère, du printemps kabyle, qu'on appelle printemps berbère, je me trouvais miraculé. J'étais prêt à mourir pour beaucoup moins que ça. Et puis la Kabylie sortait dans la rue pour dire, voilà, nous voulons faire l'assurgement national et officiel, tout ça. Et aujourd'hui, quand j'ai entendu le Maroc revendiquer, demander à l'ONU un agenda, d'inscrire à son agenda l'examen du devoir du peuple kabyle à son autodétermination, j'étais prêt à mourir trois fois avant d'arriver là. C'est à partir de là que je me suis dit, les conditions sont aujourd'hui réunies pour proposer à titre officiel un mémorandum de la Kabylie pour son droit à l'autodétermination. Ce mémorandum est composé d'une lettre adressée
au secrétaire général de l'ONU, mais aussi qui doit la transmettre normalement à la 4e commission de l'ONU chargée de la décolonisation. Cette lettre, vous l'avez lue peut-être, mais vous pouvez la retrouver dans le mémorandum et dans le livre que j'ai sorti, qui s'appelle Kabylie, le mémorandum pour l'indépendance. Ce mémorandum comprend donc la lettre officielle qui n'est pas adressée uniquement au secrétaire général de l'ONU. Nous l'avons adaptée pour qu'elle soit adressée aussi au président des grandes puissances, mais aussi, surtout, aux organisations internationales comme l'Union africaine, l'Union européenne, la CIE, la communauté des États indépendants, la Ligue arabe, l'Organisation des États d'Amérique et l'ASEAN, les États du Sud-Est asiatique. Cette lettre, en fait, plutôt que de revendiquer la demande, une demande formelle de reconnaissance du droit de la Kabylie à son autodétermination, ce droit est sacré et inaliénable. Quelles que soient les oppositions des uns et des autres, en tant que peuple, le droit à disposer de soi en tant que peuple est reconnu, il est à la base du droit international. Aucun peuple ne peut le remettre en cause sans remettre ses propres fondements en question. Donc ce droit-là est le nôtre. Et c'est notre droit. Nous devons en user et même abuser. Personne ne peut nous empêcher d'aspirer à notre indépendance. Donc, mais c'est une manière juste pour nous de frapper à la porte de l'ONU et de la communauté internationale pour dire nous existons, attendez-nous, parce que nous vous rejoignons. Et pour étayer cette demande, cette invitation, nous avons mis un certain nombre de dossiers. Le premier dossier que nous avons fait dessus est celui de l'histoire. Pour dire que depuis la nuit des temps, la Kabylie était indépendante. Du temps des Romains, la Kabylie est restée elle-même malgré la prise par les Romains d'un certain nombre de lieux. L'existence d'une Kabylie organisée, structurée, avec une forme d'État, existait déjà au IVe siècle, quand Ammianus Marcellanus, c'était un Romain, avait décrit la Kabylie en parlant des 5 tribus fédérées, les quinquégésiens. En fait, c'était plutôt 7 tribus plutôt que 5. Et pour lutter contre les Romains, il y a eu une guerre de 347 jusqu'à 398. C'est plus de 47, oui, 43 jusqu'à 80, plus de 45 ans de guerre initiée par Francis, qui est le chef berbère de l'époque. Les Arabes, quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas pris la Kabylie. L'Ibn Hilal s'était installé partout, sauf en Kabylie. Les Turcs, quand ils sont arrivés, c'est grâce à l'opposition aux Turcs et au refus de leur autorité que la Kabylie a émergé sur la scène internationale pour la première fois. Les Turcs se sont toujours cassés les dents sur la Kabylie. Vous connaissez tous l'affaire de la monnaie. Les Kabyles ont fait de la fausse monnaie, de Meskel, et les Turcs et ont inondé les marchés avec cette monnaie, à tel point que le Dey d'Alger avait négocié avec les Kabyles la restitution de Dioul. Les Kabyles
ont modélisé ça très cher, ils ont remis les moules et le lendemain, ils en ont fabriqué d'autres. Par la suite, il y avait un bey qui était établi à Constantine et le bey d'Alger devait rendre visite à son cousin ou à son homologue. Pour traverser la Kabylie, il fallait qu'il paye un péage. Il y avait un droit de douane pour le passage. La Kabylie s'est imposée contre les Turcs. Et quand les Français ont débarqué, c'était les Kabyles qui avaient affronté les Français. Ils avaient dépêché 15 000 hommes pour combattre le débarquement. Et il y avait une alliance avec le Dey d'Alger. Cette alliance stipulait que le Dey devait fournir un ravitaillement, donc nourriture et armes, munitions, aux combattants kabyles. Finalement, non seulement il a failli sur le plan du ravitaillement, mais il avait lancé une sorte de prime pour toute personne qui ramène le trophée, la tête d'un loumi, tué. Comme il y a beaucoup de kabyles qui ressemblent à des loumis, il y en avait qui tuaient les kabyles, ils ramenaient leur tête pour être récompensés. Les kabyles se sont retirés. Et la prise d'Alger a eu lieu. Et quand la prise d'Alger a eu lieu, le maréchal de Bourmont, qui était le patron du débarquement, avait ignoré exprès le dé d'Alger. Le dé qui avait dit que, étant la première personne du royaume d'Alger, comme on l'appelait, il allait tout de suite solliciter qu'il le voie. Non, il l'a ignoré. À tel point que le Dey d'Alger faisait des pieds et des mains pour se faire recevoir par le maréchal de Bourmont. Une fois qu'il l'a reçu, il l'a fait attendre pendant 4 heures avant de le recevoir. Le Dey d'Alger avait demandé pardon, mais s'était soumis complètement à l'autorité du maréchal en demandant juste qu'il garde la descente et un peu d'argent. Le maréchal a demandé les secrets d'État. Qu'est-ce qu'il y avait comme danger pour les Français? Et le Dey d'Alger, il a dit, vous savez, cette terre est complètement pacifiée, à l'exception des Kabyles. C'est une population belliqueuse et c'est une population très structurée et organisée. Surtout, ne vous faites pas à. Et c'est probablement la raison pour laquelle il a fallu 27 ans plus tard que la France envoie des émissaires en Kabylie pour étudier les mœurs, étudier les lois, le mode de fonctionnement avant d'engager la bataille décisive de 1857. Et en 1857, il y a eu donc la bataille d'Alger. Mais avant cela, quand le maréchal de Bourmont avait pris Alger, il avait demandé à un spécialiste, quelqu'un qui a déjà, il s'appelle le comte de l'Albignonnaise. Il avait participé à la mise sur pied d'un État quelque part, donc il lui a dit, après avoir étudié le pays qui va qu'on nommera plus tard, en 1839, l'Algérie, il lui a dit, à qui doit-on remettre le pouvoir? Et le comte de l'Albignonnaise avait dit il faut le remettre aux Arabes et aux Turcs. Jamais aux Maures et aux Kabyles. Pourquoi? Parce que, d'après lui, les Arabes et les Turcs avaient la tradition de l'État que les Kabyles et les Maures n'avaient pas. Les Maures, c'est-à-dire les Berbères. Et en 1857, donc, la France a décidé d'annexer la Kabylie et la Kabylie ne l'a jamais admise. Ni en 1857,
quand il y a eu la bataille décisive, la première bataille, mais en 1871, après la révolte des Kabyles, les Kabyles n'avaient accepté la défaite. D'ailleurs, cette annexion de la Kabylie à l'Algérie française puis algérienne est illégale au niveau du droit international, puisqu'il n'y a jamais eu acte de reddition, acte de reconnaissance de l'autorité française ou de quiconque. Donc l'annexion de la Kabylie à l'Algérie est à ce jour illégale au vu du droit international. Nous devons nous baser dessus pour réclamer notre indépendance. D'ailleurs, c'est la Kabylie qui a été à l'origine de la défaite du colonialisme. Si la Kabylie n'avait pas été annexée à l'Algérie, peut-être que la France serait encore en Algérie. C'est le fait que les Kabyles n'avaient jamais admis que la France les domine qui les a poussés par tous les moyens à entamer la guerre d'indépendance de l'Algérie. Et quand elle a gagné, elle était épuisée. Et au moment où elle avait pris le pouvoir, les armées des frontières qui n'avaient pas tiré une seule balle contre la France durant 7 ans de guerre sont rentrées en nombre. Ils devaient faire même la guerre, devaient se faire la guerre entre le clan de l'Est et le clan de l'Ouest. Quand la Kabylie s'était dit, je dois participer, c'est moi qui ai libéré ce pays, j'ai mon mot à dire, elle a pris des armes pour se faire entendre, il y a une coalition de l'Est et de l'Ouest contre la Kabylie. Et à ce moment-là, de toute façon, la Kabylie ne pouvait pas gagner cette guerre parce que la Kabylie était déjà épuisée par cette année de guerre, cette année et demie, et la plupart des hommes étaient morts. Et ceux qui pouvaient faire la guerre étaient déjà lassés par la guerre. C'est en 1976 que notre génération a pris le relais. Nous nous sommes réunis à l'occasion de la charte nationale. On s'est dit, notre sort est celui d'un peuple dominé. Que peut-on faire pour nous en sortir? Il y avait 3 options. L'une, c'est de faire la guerre, de prendre, comme en 1963, les armes contre Alger. La deuxième, c'était l'infiltration. Le fait d'aller tous nous engager en tant que cadre dans l'armée algérienne et faire un coup d'État, une fois qu'on prend le pouvoir, et voilà, on va gouverner l'Algérie. Et la troisième, c'était de travailler la société pour sa démocratisation. Croyons que la démocratie était vraiment la panacée pour la question kabyle. Tout le monde a refusé l'option de guerre. Tout le monde a refusé d'intégrer l'armée algérienne. Nous n'avons pas l'âme de militaire. Nous sommes des hommes de liberté. Et nous avons tous choisi l'option de la démocratie. C'est de prendre notre destin en main et notre société à bras le corps et de la transformer pour aller vers la liberté. Et c'est ainsi que il y a une jonction entre la nouvelle génération qui était la nôtre et l'ancienne génération des Kabyles. Ça s'est passé en 1978. Il y a eu une rencontre entre les Kabyles et l'embryon de militants berbéristes que nous étions à l'époque. Et nous avons fait l'alternative démocratique, Algérie, l'alternative démocratique que nous avions portée. Et cette rencontre avec les Kabyles nous avait conforté dans notre conviction qu'il faut défier quand même le régime algérien. Comment?
en assumant publiquement notre opposition au régime et en acceptant d'aller en prison s'il le faut, même de mourir s'il le faut, mais sans tuer. Et effectivement, quand il y a eu Avril Caradin, le pouvoir était pour la première fois complètement désarçonné. Sa police était formatée, configurée pour vous arracher des aveux, comme quoi vous participez à une organisation clandestine. Mais dès lors que vous l'affichez vous-même, il dit oui, j'appartiens à cette organisation. Et alors, vous voulez nous emmener en prison? Allons-y. Vous voulez nous tuer? Allez-y. Et là, la machine répressive était tombée en panne. Ah bon, maintenant le problème est politique. Il n'est plus répressif. Ce n'est pas une affaire de voyous. Ce n'est pas une affaire de délinquance. Donc, ça a été la base. Le pouvoir a été complètement ébranlé. Ça a été la base de l'évolution de l'Algérie vers une société, disons, pluraliste. Et c'est nous qui croyons que la démocratie était la panacée, découvrons tout soudainement que la démocratie n'est viable qu'à l'intérieur d'un même peuple. S'il y a plusieurs peuples, c'est à l'intérieur de chaque peuple que la démocratie est viable, sinon, dans les pays, des peuples, des concentrations de peuples, comme tous ceux que la colonisation avait fait, la démocratie est pervertie. On ne vote pas pour un programme politique. On ne vote pas pour des idées politiques. On ne vote pas pour une perspective générale du pays. On vote pour quelqu'un qui nous appartient, pour une identité. Un Kabyle vote pour un Kabyle, un non-Kabyle ne vote jamais pour un Kabyle. Nous tirons des leçons de notre passé, c'est juste ça. Donc, j'ai voulu cette partie, et vous traiter cette partie historique, pour vous rappeler les étapes par lesquelles nous sommes passés. Que la Kabylie a toujours été indépendante. Et que, quel que soit, même comme nous luttions pour faire l'Asie langue nationale officielle, en fait, derrière l'écran de Tamazir se cachait Kabylie. C'était juste parce que nous n'avions pas les moyens politiques et le courage nécessaire à l'époque, la clairvoyance, de réclamer une indépendance. L'expérience du FFS nous avait traumatisés. Donc, il a fallu du temps pour recouvrer ces ressources et dire enfin, oui, vous êtes séparatiste, oui, je suis séparatiste, je l'assume, j'en suis fier, je veux que mon peuple soit libre. Je vous ai dit qu'il y a des dossiers qui légitiment, donc chacun après l'histoire, il y a des dossiers qui légitiment, chacun à lui seul, l'indépendance de la Kabylie, le devoir d'indépendance. Un, c'est le printemps noir. C'est un génocide auquel nous avions assisté. C'est un crime contre l'humanité qui doit être puni, ou du moins pour lequel la Kabylie doit avoir justice, doit recevoir justice un jour ou l'autre. J'ai, au mois d'avril 2013, ou 2012, je ne me souviens plus, de toute façon ce document est dans le mémorandum, envoyé une requête, une plainte à la Cour pénale internationale demandant l'examen de cette plainte par rapport au printemps noir. Ce n'est qu'au bout d'un an que la plainte a été enregistrée. Elle a été enregistrée et au bout d'un an, on m'a donné une réponse disant que votre plainte n'est pas conforme au traité de Rome qui stipule que pour qu'une plainte soit favorable et qu'il faut qu'elle soit portée par un État ayant ratifié son adhésion à la Cour pénale.
Ils disent aussi dans le papier que le dossier est valide, nous gardons la portée de la main jusqu'à ce que vous trouviez un pays pour vous soutenir. Donc, la demande de justice pour la Kabylie reste valide. Un jour ou l'autre, de toute façon, la Kabylie sera indépendante et ce dossier-là sera réexaminé dans tous les cas. Et si nous avons, nous parvenons d'ici là à avoir un pays qui nous prête son soutien, le printemps noir sera jugé au niveau de la Cour pénale internationale. Nous avons fait dans ce rapport, sur ce dossier, sur le printemps noir, le premier, c'est le rapport ISAD. On ne peut pas accuser Issad de parti pris, puisque c'est le président algérien qui l'avait nommé à la tête d'une commission, qui a désavoué le président algérien, bien sûr. Nous avons mis le rapport Hélène Flotte, c'est le rapport de l'Union européenne, et qui avait fait couler beaucoup d'encre en ce temps, et qui rapporte toutes les exactions de l'État algérien qui se comportait envers des populations locales, en ennemi, et tué, pratiquement sans distinction. Le troisième dossier est celui de l'ethnocide, du génocide culturel, la violation, le déni d'identité, le déni de langue, et toutes les mesures coercitives prises par l'Algérie pour contraindre la Kabylie, pour éteindre la langue kabyle, pour que le kabyle oublie ce qu'il est. Toute l'histoire de l'Algérie moderne est jalonnée par le bras de fer entre la Kabylie et l'Algérie sur la question linguistique et identitaire. En tout état de cause, cette politique d'éradication du Kabyle, parce qu'il faut appeler ça par son nom, n'a pas porté ses fruits. Nous sommes un peuple de résistants. Vous savez, malgré le rejet par le Kabyle de la langue arabe, de l'arabisation plutôt, nous ne sommes pas contre une langue ou contre. Mais nous voulons que notre langue soit la première à être enseignée. Malgré le refus d'arabisation, à ce jour, la Kabylie est la première région productrice de bacheliers en Algérie, je dirais même en Afrique. Il y a de quoi être fier d'un peuple pareil, qui valorise l'intelligence. Il y a un dossier sur le sabotage économique. L'Algérie a tout fait pour paupériser la Kabylie. Mais, quelles que soient les mesures qu'il a prises, la Kabylie est restée debout. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons une diaspora. C'est grâce à vous tous, grâce à nos prédécesseurs, l'immigration d'avant, qui a toujours apporté du soutien à la famille d'origine. Il n'y a pas une famille Kabylie. Pas une seule qui n'est pas d'immigrés. Et ce sont des immigrés qui ont entretenu la santé de la Kabylie. On a vu toutes les décisions ces derniers temps, à Aïmanian, contre Arbrad. Je pense qu'il y a une injustice flagrante. On dit, si vous voulez que la Kabylie. Si vous voulez investir, allez ailleurs qu'en Kabylie. En 2008, j'ai été à Bougie, à Kabylie. Et quelqu'un m'a raconté qu'il avait, trois semaines auparavant, reçu Serge Boutfleka, qui avait fait une visite à l'usine Cérépal de Kabylie. Il m'a dit, tu sais ce qu'il m'a dit à la fin de la visite? J'ai dit non. Pourquoi n'a pas été faite cette usine à Oran? Il a regretté que cette usine soit en Kabylie. Donc,
il y a du racisme, y compris dans l'économique, contre le peuple italien. À côté de cela, on a adossé au sabotage économique une politique de kidnapping. Il y a une industrie qui s'est développée en 6 ans. Il y a eu plus de 100 patrons kidnappés. Cette politique de la terreur visait juste à ce que les investisseurs quittent la Kabylie. Donc toujours pour désinvestir, pour paupériser le peuple italien. Et il y a la politique de la terre brûlée, le dossier sur la politique de la terre brûlée. Chaque année, il y a des incendies criminels qui sont allumés par des militaires. Beaucoup de témoins oculaires ont témoigné, beaucoup de citoyens ont témoigné que ce sont les militaires et les paramilitaires qui allument le feu sur l'ordre de l'Algérie. Officiellement, l'Algérie a justifié les incendies par la lutte contre le terrorisme. Mais en vérité, c'est comment tuer l'olivier Kabyle. C'est ça la vraie richesse. Chaque année, il y a plus de 2 millions d'arbres fermentés aux oliviers qui sont et pas de funèbres. Et ce qui est, je suis dans un pays qui respecte la nature, qui aime la nature. Il n'est pas que contre les Kabyles, il est contre toute l'humanité. Désertifier la Kabylie, c'est appauvrir le climat. Pas que ailleurs, c'est déstabiliser, changer le climat. Le monde entier doit s'écrier, dénoncer cette politique algérienne. Comment on a aussi eu des preuves que c'était les militaires qui allumaient les feux? Tout simplement, quand la Kabylie était en trouble et qu'il était en état d'indépendance, quasi-indépendance, avec l'Arache de 2001 jusqu'en 2003, il n'y avait pas un seul officiel qui avait foulé de manière officielle la Kabylie. Pendant 3 ans, l'État algérien était hors la loi, en Kabylie. Pendant ces 3 ans-là, écoutez, il n'y avait pas d'incendie. Il a fallu que l'arche tombe pour que de nouveau les incendies reprennent de manière étrangère. Donc on voit bien un aspect de cause à effet entre les incendies en Kabylie et les militaires et le régime lui-même. Il y a bien sûr un dernier volet qui est celui de la violation des droits d'homme. Les militants du MAC sont pourchassés. Ils sont maltraités. Il y a de l'injustice en permanence, des arrestations arbitraires. Et on a vu aussi comment, et devrait j'imagine impossible, quand un militant ou un sympathisant du MAC est identifié, si le commerçant, on lui retire, on lui fait un redressement fiscal pour le mettre sur la paille et on lui retire arbitrairement son registre de commerce. Quand un militant est étudiant, on essaie de le saboter dans ses études. Et ces derniers temps, on a trouvé le pouvoir à inventer une nouvelle méthode contre les militants kabyles, les kabylistes, c'est le refus de délivrance du passeport. En France, je ne sais pas si c'est le cas ici au Canada, je n'ai pas demandé quelles sont les lois, pour qu'un kabyle renouvelle ses papiers en France, il lui faut, quand il est résident, il lui faut un passeport valide. L'Algérie refuse de délivrer des passeports aux militants kabyles. Elle les met de fait en porte-à-faux par rapport à la loi. Elle les précarise, elle leur crée une situation de non-droit, ils ont leurs papiers en règle et tout d'un coup, ils sont en la loi. Ils sont en situation irrégulière en France. J'espère que la France
prends en considération cette attitude, et de toute façon, je vais faire, en tant que président du gouvernement provisoire Kabylie, une lettre à tous les pays occidentaux pour que les Kabyles ne soient pas victimes de cette pratique. Et de toute façon, nous sommes là pour attester auprès de chaque État qui est militant Kabylie, qui ne l'est pas. Et donc, tous ceux qui sont militants, il est hors de question que nous laissions cette injustice s'installer contre eux. Et de toute façon, le gouvernement provisoire Kabylie a pour vocation de défendre les Kabyles où qu'ils soient. Pas les délinquants, pas les mauvais. Voilà. Et après ce mémorandum, il m'a semblé que je devais anticiper les accusations et la contre-offensive du gouvernement algérien, et donc j'ai sorti ce livre. Mémorandum à Kabylie, mémorandum pour l'indépendance. Pour lever toutes les appréhensions, nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des gens violents, nous ne sommes pas des racistes, nous sommes un peuple qui veut juste son indépendance, et c'est un droit naturel que chaque peuple doit avoir. Alors, gloire aux militantes et aux militants sur le terrain qui se battent chaque jour, je vous admire, je tiens à vous le dire. Par exemple, juste un exemple, j'ai adoré la vidéo d'un village de Tizimbele où les gendarmes sont allés enlever un drapeau kabyle et un citoyen qui lui dit: vous pouvez revenir le soir, il y en aura un autre. Voilà. Même sur le plan culturel, l'interdiction des cafés littéraires d'Aukas et Bousguem d'ailleurs est complètement une sorte d'autodafé de l'Algérie sur le plan culturel. Alors, je voudrais aussi saluer la jeunesse kabyle, citelle. Le fer de lance, la force fondamentale de la conviction d'indépendance et du combat pour l'indépendance de Kabylie. Je voudrais appeler de nouveau ici tout le monde pour descendre de la ville dans la rue. Maintenant que nous avons un mémorandum à porter, que nous avons des textes très clairs, l'indépendance de Kabylie, je voudrais que chaque Kabyle apporte son soutien à cette démarche. Houadja Yediwen est des fêtes. Yomendo Rafsi Monente Bourbelis. Et derrière le mémorandum, vous savez qu'il y a miracle. La qualification de l'équipe nationale kabyle au mondial des peuples sans État, à la CONIFA. Ça se passe le 31 mai jusqu'au 9 juin. Et cette qualification, je salue tous les joueurs et leurs responsables qui nous ont prêté leur concours pour m'arracher en Kabylie en plus. Cette équipe a besoin de votre soutien à tous. Ils ont ouvert un compte sur GoFundMe. Hein, c'est du crowdfunding pour ramasser environ 50 000 euros. Nous en avons besoin pour payer les transports, l'hébergement, les tenues, tout ce qu'il faut, les déplacements. Et vous pouvez, en tant que supporter, y aller aussi. Mais d'ores et déjà, allez sur GoFundMe pour apporter votre soutien financier. Nous en avons besoin. Et au-delà de cela, je vous ai annoncé plus tôt que nous venons d'arrêter la décision de faire une souscription qu'avait l'Artagne. Et vous n'avez pas regardé,
nous avons créé une monnaie qui s'appelle RM. Le centime s'appelle Asoti. Il est aligné sur le dollar. Et nous avons fait des bons de souscription de 50 RM, 56 RM. On peut dire 56 RM, mais on écrit 56 RM. Je voudrais que tous ceux qui croient en l'indépendance de la Kabylie prêtent à la Kabylie. Je l'affirme dans une déjà. La Kabylie remboursera, une fois qu'elle est indépendante, ce prêt, avec des taux agréables pour tous. Croyons la Kabylie, investissez en elle et vous enrichirez d'elle. Voilà. Mon périple américain s'arrête, mais nous avons un combat à continuer. Nous avons décidé d'installer des coordinations du MAC à travers toute l'Amérique, dans les grandes cités où il y a des cabines. Et nous allons revenir pour les installer toutes vers le mois fin juin, début juillet. Et c'est en prévision aussi du congrès extraordinaire du MAC pour réaffirmer ses principes, réajuster ses règles de fonctionnement et surtout affirmer que l'indépendance de la Kabylie est le seul et unique objectif du MAC et de la Navarre et de la Kabylie tout entière. Merci.